Hello my sales people, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire ce très beau ponytail. Waouh! Ok, donc restez avec moi pour la suite. Alors pour commencer, je peigne mes cheveux, j'ai déjà blow dry et tout ça pour qu'ils soient un peu plus détendus. Donc par la suite, je vais utiliser ma Got to Be pour plaquer mes cheveux. Voilà, il faut que ce soit bien plaqué, bien plat et tout. En principe, c'est la colle que j'utilise pour coller ma perruque, mais avec ce gel-là, ça plaque vraiment mes cheveux. J'ai utilisé tous les gels, mais rien n'y fait. Donc c'est vraiment celui-là que j'utilise. Et vous devez bien brosser jusqu'à ce que vous perdez cette plaque blanche. Et ensuite, j'utilise un fil que je vais nouer autour de mes cheveux. Donc vous devez faire plusieurs tours et bien nouer, voilà, et ensuite vous coupez l'excès. Donc par la suite, ce que je fais, c'est que je vais mettre encore du gel, voilà, pour bien plaquer les cheveux de devant. Comme vous voyez, tout est bien plaqué et par la suite, j'attache mon petit foulard et tout ça pour que ce soit bien, bien, bien plaqué. Donc on veut vraiment que ce soit bien plaqué. On veut pas un cheveu qui dépasse, non, non, non. Donc serrez bien tout ça. Et ensuite j'utilise ce paquet de mèches là. Donc j'ai utilisé juste un paquet. Il y a assez de mèches dans un paquet de cette marque là. Alors pour ce ponytail là, j'utilise un élastique. Donc je vais diviser mes cheveux en deux et je vais attacher une partie comme vous le voyez sur la vidéo. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais diviser mes mèches en trois et je vais aussi diviser mes cheveux en trois sections. Et par la suite, je vais prendre mes cheveux et je vais les mettre à l'intérieur des mèches. Voilà, pour qu'il n'y ait pas une différence en fait. Que soit bien caché. Donc vous déjà vous commencez à faire votre tresse comme ça jusqu'au bout. Alors, si vous voulez un ponytail encore plus long, vous pouvez rajouter des mèches par la suite, comme ceci. Et les tresser jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'est le résultat. J'ai coupé le bout comme ceci. Et vous pouvez rajouter des petits bijoux. Voilà, des petits trucs dorés. Argenté comme vous voulez, juste pour embellir votre tresse. Voilà, petit papeau. Oh. Voilà, et là vous n'avez plus qu'à enlever votre foulard
pour découvrir votre beau travail. Tout est plat, tout est cute. Si vous aimez la baby hair, faites-vous plaisir. Moi, bof. Voilà quoi. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de commenter, partager, laisser un petit pouce bleu et me suivre sur mon Instagram. Donc là, je vous montre un peu des petites coiffures que vous pouvez faire. Ça, je les ai vraiment fait de manière rapide, mais si vous voulez être un peu plus minutieuse, vous pouvez faire un petit chignon avec, vous pouvez faire d'autres petites coiffures, voilà. Et voilà, allez, je vous fais plein 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 de bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!